Salut. T'aurais besoin d'aide? Eh oh, tu m'entends quand je te parle? Bien. Je veux bien que tu m'aides. T'es sûr que ça te dérange pas? C'est juste que je suis un peu solitaire. Je n'aime pas trop parler. Ok. Tu cherches quoi? Des journaux. Le plus possible. Des journaux? Pourquoi faire des journaux? Est-ce que ça te regarde? Non, ok. Viens, je te montre où sont les journaux. Sinon, comment tu t'appelles? Ça ne te regarde pas. Ok. Tu connais Harry Potter? Non. Quoi? Tu connais pas Harry Potter? Tu connais bien George Lucas, Spielberg, Tarantino? Jamais entendu parler. Bon, voilà les journaux que tu cherches. Non, il n'y a rien qui peut m'intéresser ici. Merci quand même. Ah bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, 21 mars 2017, il est 21h18. Aujourd'hui, à la bibliothèque, il y avait un mec un peu étrange. Il a oublié son sac. J'ai essayé de le rattraper, mais je l'ai pas trouvé. J'ai fouillé dedans pour voir s'il y avait peut-être une adresse, je sais pas. J'ai trouvé un carnet. J'ai feuilleté dedans un peu, voir s'il y avait toujours pas une adresse. Et dedans, il marque des choses un peu étranges. Il parle d'une organisation pour laquelle il travaillerait, qui est censé surveiller les humains pour le bien de l'humanité. Il marque aussi des dates dont tout le monde se fout. Indépendance du Bénin, 1er août 1960, 2 avril 2005, décès du pape Jean-Paul II, 12 janvier 1912, succès socialiste aux élections au Reichstag en Allemagne, 6 janvier 2016, essai nucléaire de la Corée du Nord. Je sais pas quoi faire. Il y a une adresse. Rue d'Einstein, 92, 1-2, escalier B, avec des inscriptions bizarres au-dessus. Je vais réfléchir. Qu'est-ce que tu veux? Bah tu sais, c'est moi, Théo. On s'était vu à la bibliothèque hier. T'avais oublié ton sac et ton carnet. Tu l'as ouvert? Ah oui, mais j'ai... Quoi oui? Je sais quoi exactement? Mais j'ai rien, j'ai juste lu en diagonale. Tu te fous de ma gueule? Non! Comment tu serais arrivé ici si tu l'avais juste lu en diagonale? Mais arrête de me menacer comme ça! Attends! Toute cette arme, elle est chargée. Dis-moi tout ce que tu sais. Non. Eh oh! Je sais juste que tu travailles pour une organisation et que vous observez l'humanité pour leur bien, c'est tout! Je le jure! Je vais devoir te garder. Me garder?
Pourquoi et où? Chez moi. Tu vas suivre un entraînement de plusieurs mois. Pourquoi? Pour devenir sentinelle. Pour devenir quoi? Des sentinelles. En gros, c'est un ordre créé il y a des millénaires pour surveiller l'humanité. Si tu veux, on est des extraterrestres qui... Quoi? Comment ça? Tu me coupes pas. Merci. Si tu veux, on surveille leur agissement, on contrôle leurs décisions et surtout, on les empêche de faire des conneries. Eh ben, c'est pas très réussi. Hein. Tu me coupes pas! Ok, ok. Pour les empêcher de commettre des actes qui pourraient nuire à eux-mêmes, on possède des facultés physiques. Des quoi? Des super pouvoirs. Ah! On les regroupe en 5 catégories. La terre, l'eau, l'air, le feu. Mais ça fait 4! Tu vas la boucler? C'est parce que la dernière faculté est très rare. C'est la faculté de contrôler le temps. Ceux qui la possèdent sont les maîtres suprêmes. Ce sont les maîtres des sentinelles. Ils supervisent tout. Et toi, c'est quoi ton pouvoir? Le feu. Oh, oh. Oh, et moi aussi je vais devenir sentinelle? J'ai bien peur que oui. On a toujours besoin de nouvelles recrues. Et pourquoi? Parce que les anciennes meurent assez facilement. Et si je refuse? Ben, je te bute. Et je crois que je vais devenir sentinelle. Tant mieux. Par contre, aucun contact avec l'extérieur. Quoi? Excusez-moi, vous seriez où la rue de Tesla? Par là-bas, vous descendez la rue. Ouais. Troisième à droite, seconde à gauche. Ok, merci. Max, tu peux me rappeler pourquoi on est là? Rappelle-toi-en tout seul. Je me souviens de rien. Soit j'ai une mauvaise mémoire, soit c'est que tu me l'as pas encore dit. On est là pour intercepter un traître. Un traître? C'est-à-dire un sentinelle qui est contre vous. Bravo! On peut dire que tous ces mots d'entraînement t'ont servi. C'est bon. C'est juste pour être sûr. Qu'est-ce qu'il a fait pour être considéré comme un traître? Il a utilisé ses pouvoirs pour améliorer l'humanité. Quoi? Ça, c'est être un traître pour vous? T'as jamais écouté mes cours? Le rôle des sentinelles est de surveiller et de protéger l'humanité. En aucun cas, ils ont le droit d'interférer avec la révolution. Pourquoi ça? Parce que l'arrivée d'une nouvelle technologie qu'ils ne maîtrisent pas pourrait les détruire. Prenons un exemple. Il y a 70 ans, un sentinelle a mis au service de l'humanité sa grande intelligence pour créer l'énergie nucléaire. Il pensait que ça apporterait une énergie nouvelle, pure, illimitée. Sauf que les humains s'en sont servis pour s'entretuer. On a mis des années à calmer le jeu. Attends, tu veux dire que... Oui, Einstein était un sentinelle. Il aurait dû jamais l'être. Wow. Tantôt, Carnet, quand tu disais que... Et toi, là? Alors, on se promène? Can't fight the temptation when you get the vibration. Won't do you no good. Won't do you no good. You better stop.